Le fait de forcer une personne à commettre un acte sexuel avec un animal est passible d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 50 à 100 000 gourdes. Donc c'est ça qui est dans le code pénal. Mais est-ce qu'on remarque ça le dit? Le fait de forcer une personne à commettre un acte sexuel avec un animal, le fait de forcer, ça veut dire si vous pas forcé, mon femme. Mais c'est ça le dit là. Pas quoi besoin, ou comment moi? Même si vous prenez un avocat, moi, vous comprenez ça que dit là. Il dit clair, le fait de forcer, si vous pas forcé, hein? Ou pas carré, donc cela veut dire qu'une porte qui ouvert là. Si vous voulez commencer à coucher avec bête dans le pays, coucher avec chien, coucher avec cabrit, mais vous avez une porte qui ouvert là pour que vous faire ça. Est-ce que vous avez même? Et nous-mêmes, les Haïtiens, ça ne doit pas dans la culture nous. Nous ne devons sentir nous pas concernés parce que ça n'est pas dans la culture nous. Mais en même temps, conseil de paquet de pays dans le monde qui fin pourri cap chercher pays qui gagne le type de loi ça yo côté ou ka vin faire bordel yo. Donc l'ordre loi qui passe dans pays comme ça, même si c'est pas haïtien qui va le faire, mais moun bral vini kounya yo bral faire tourisme sexuel et puis moun qui veut coucher avec chien avec chat avec bagaille que l'autre pays ne doit pas permettre ça, mais yo bral vin faire dans pays d'Haïti. Est-ce que nous comprenons le jeu là, hein? Et l'homme qui a fait le coup, elle couche avec chien, ce n'est pas chien seulement qui a couché. Elle couche avec chien, après ça, elle couche avec fille, après ça, elle couche avec garçon. Et puis, maladie dans le pays. Hein? Est-ce que nous avons là? Ça n'a pas défendu là. C'est pas. Et bon, c'est au bagage, c'est protestant qui va. Ce n'est pas une question de protestant qui a défendu là. Son question de sécurité au pays. Nous déjà un problème déjà, nous pas un système de santé qui solide, nous pas un hôpital, nous pas un bagage. Côté moun qui a commencé à le coucher avec chair, avec chat, avec toute qualité de vie maladie et puis pour propager dans le pays. Donc, ou pas qu'a un code qui entre comme ça en vigueur dans le pays. Donc c'est ça qui fait que donc nous-mêmes après bagage au passé, président Jovenel t'a demandé nous qui ça nous t'ai voulu, nous t'ai réécrit certaines lois et puis nous t'ai bali comme proposition. Donc, par exemple, sous garde sous côté à là, nous demandons article 301 pour yon réviser le consa. Pour yon dire quiconque commet volontairement un acte sexuel avec un animal est passible d'un emprisonnement de 3 ans à 5 ans, etc. etc. Est-ce que ça va? Donc, il y a plusieurs articles dans le code là. Côté nous te fait des propositions, nous te dit comme ça et réécrit comme ça de préférence. Pas de monde qui pas dit que le code pénal a besoin d'update. Pas de monde qui pas dit qu'il n'a pas besoin de mise à jour. Mais, porte qui ouvre yo là, yo dangereuse pour la société. Bam montrer où yon l'autre article encore ça, lui-même, lui touche directement l'église. C'est pas seulement la société, ya, mais lui touche directement l'église. Ça, c'est article 362 dans le nouveau code pénal là, l'on connecte là avec. Article 362, l'idée constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques en raison de leur origine, pas de problème là, ou pas qu'à discriminer sous origine moun nan, ou comprenez moi, en raison de leur sexe, pas de problème là, si moun nan homme, si le femme, en raison de leur situation familiale, nous pas de problème parce que nous sommes pauvres, parce que les riches, mais ils ont ajouté, en raison de leur mœurs, ça veut dire qu'il faut m'accepter mes soins, et leur orientation sexuelle. Orientation sexuelle, ça veut dire qu'ils sont choisis pour y aller. Donc, ils ont dit là, n'importe distinction qu'on fait sous base ça, ils ont vigné une discrimination. Est-ce que vous avez même? N'importe. Et puis, Kounia, gardez 262. Après, le film dit ça, une discrimination. Kounia, mais il dit, mais qui peine yo gagne? Mais qui pénalité yo gagne? Peine yo gagne pour moun qui coupable de discrimination. Il dit, 263 dit, la discrimination définie dans l'article 362 que nous appelons Zotlia,
commises à l'égard d'une personne physique, ça veut dire un monde comme moi-même, ou bien morale, ça veut dire capable d'une organisation, est passible d'un emprisonnement de 1 à 3 ans. Ça veut dire souvent, 1 à 3 ans, pour continuer l'île, 1 à 3 ans et d'une amende de 50 000 gourdes ou de 75 000 gourdes, lorsqu'elle consiste, numéro 1, qui sa discrimination est, à refuser la fourniture d'un bien ou d'un service. Ça veut dire souvent 9 ans avec mes sous. Et pour vous demander de marier son service. Et puis me dit pas marier. Ça veut dire là, moi capable une amende de 50 à 75 000 gouttes plus 1 à 3 ans prison parce que je ne suis pas d'accord Mario selon Messou. Est-ce qu'on avait mis jusqu'à présent? Ou bien numéro 3, il dit discrimination, c'est refuser la fourniture de bien. Numéro 2, numéro 3, ou bien il dit à refuser d'embaucher. Ça veut dire que je suis pasteur d'église, et puis je suis secrétaire, et puis je n'ai pas arrêté mes gosses moustaches, et puis je vais aller dans mes secrétaires, et puis je dis que je suis secrétaire. Ok, je suis secrétaire de l'église là. Quand je suis dit que je ne suis pas embauché, je suis allé en prison. Mais est-ce qu'on va faire comme ça, qu'on accepte dans la société? Donc, chers amis, c'est ça que fait. Donc, nous-mêmes, ça nous t'est proposé dans la question article ça. Nous t'est correction que nous t'est proposé, c'était pour reformuler article là comme ça, constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques en raison de leur origine, leur sexe, leur situation familiale, mais retirer les bagages mess avec toute l'autre bagage que vous. Est-ce que l'avait même? OK. Donc nous t'ai fait proposition ça yo depuis sous président Jovenel équipe pour une raison pour l'autre équipe qui était là yo pas jamais réellement implémenté et proposition ça yo et c'était année dernière. Donc président Jovenel était reporté date là ou bien rapporté date là pour yo t'ai qu'a fait changement ça yo. Mais moun ki te la yo pour quelque soit raison yo pas jamais fait changement ça yo et puis année dernière date là t'est arrivé sous nous sans que changement ça yo pas fait pour t'entrer en vigueur. Donc c'est ça fait nous obligé reparler de li encore. Donc le ça premier ministre Ariel après nous fini font l'autre là moué encore à monsieur Ariel t'est reporté li pour une date ultérieure. Qu'on y a mis ça gagné. Yo te reporté li encore pour yo passer mais là-dedans pour yo modifier avant que mise en vigueur la fête. Donc date qui était prévue pour la mise en vigueur c'est le 24 juin de cette année. 24 juin, jodi a 19 juin. Changement yo poko jamais fait. Bagay qu'on a demandé depuis en 2021, ça fait 3 ans. Non seulement nous-mêmes n'a demandé, mais différentes églises a demandé, société haïtienne d'une façon générale. Parce que bagay ça c'est pas un combat qui fait mener. Société haïtienne n'a campé contre ça qui n'a contre ça. Idée d'elle, société haïtienne n'a campé là-dedans depuis avant nous-mêmes nous entrer dans combat contre pénal là. Depuis sous dans la chambre sous temps Martelly. Yo t'a pensé faire bagarre ça parce que moun te fait manifestation dans la rue, yo te dit yo pas vler. C'est pas Chekina qui a fait ça, Chekina entré dans bataille là. Mais peuple haïtien pas vler. C'est pas Chekina, c'est pas protestant, peuple haïtien pas vler. Donc so wè k'ap entré là. C'est pas haïtien non k'ap pousser. Ça c'est pas haïtien non. Ça, c'est pas mes haïtiens, non? C'est pas valeur haïtien, non? C'est pas croyance haïtien, non? Ça, c'est pas haïtien qui a poussé, non? C'est moun qui besoin de gros jardin pour yon faire gros bordel. Et puis, qui a bay kop en bas, et puis qui a poussé son bagay en tant que nation nous pavle. Et puis, il a fourré le descendre dans la gorge, nous faut nous valer.